Rouge. De l'éclair sportif. Dans le but d'encourager l'entraînement chez les jeunes, notre équipe a décidé de construire des boîtes d'entraînement. Nous avons eu la chance de travailler en partenariat avec l'équipe du CHAC CrossFit afin de créer cette vidéo que vous pourrez utiliser avec nos boîtes d'entraînement. Nous avons l'occasion d'être ici au gym, le CHAC CrossFit BCFG, situé au 1138 rue Piette à Joliette. Nous aimerions vous présenter M. Patrick Boucher et M. Jean Bernard, qui seront nos entraîneurs pour vous démontrer quelques exercices à faire avec notre boîte pliométrique de l'éclair sportif. Le burpees box jump. Donc, le burpees box jump se fait en deux étapes. Première étape, le burpees. On se laisse aller au sol comme un push-up. On fait notre push-up complet. Quand on arrive, on veut revenir vers le box. On a déjà flexion de bout des hanches, de bout des fesses. On va servir cette flexion-là pour sauter par-dessus le box. Hop, tout simplement. Regardez, on est bon pour un sol. Super. On fait le push-up complet. Les pieds, flexion. On saute par-dessus le box. Mouvement exécuté avec brio. Donc, le prochain exercice est un exercice pour les abdominaux. Ça va être les cloches. On va se positionner les pieds sur le box. Ensuite, les mains, soit sur le torse, de chaque côté d'attaque. Ce qu'on veut, c'est pour qu'un temps des mains d'attention à notre cou en servant nos mains. On vient vraiment faire une élévation des omoplates pour venir chercher un engagement abdominal. Puis, on enchaîne les répétitions. Marc-Olivier, à ton tour, mon cher. Les pieds bien positionnés sur le box. Les mains attaquées soit sur le torse ou sur le côté de la tête. Élévation des omoplates. On vous vient après les deux simples. Le prochain mouvement va être le pike push-up. Le pike push-up est une alternative au push-up pour venir solliciter un petit peu plus l'épaule. Position, deux alternatives, soit sur les genoux ou sur la pointe des pieds. On va aller chercher vraiment un maximum d'inclinaison pour vraiment solliciter la zone de l'épaule. Puis, on enchaîne nos push-ups, donc flexion des bras, suivi de l'extension. Jordan, tu fais la version sur les genoux, s'il te plaît. Donc, un bon appui pour les genoux, belle posture au bout du dos bien droit, un mouvement de pleine amplitude, c'est super. Yes, sir. Je présente le Russian Step Up alterné. Pour le Russian Step Up, ce qu'on veut, d'amener le pied sur la barre, de monter sur la barre, les hanches en pleine extension, et ensuite de lever le genou opposé. Comme ça. Jordan, ouais. Ça. Je veux vraiment les jambes, les hanches en pleine extension à la fin du mouvement. Good. Voici le dip sur le box. Ce que je veux, maximiser en fond, c'est qu'on va mettre une tension. On va mettre nos deux mains sur la barre en appui comme ça. On va se tenir en fond, sur les talons, les orteils levés. On va se rapprocher notre dos de la barre. On va monter dans le fond comme ça les bras d'extension. Ça, c'est la version la plus difficile. Si on veut faciliter un petit peu l'exercice, on va mettre les pieds à plat, puis on va les rapprocher de soi. On va descendre, monter. Maximilien, vous essayez ça? Ouais, c'est bon, parfait. Good job, Maximilien. Yes, prochain mouvement, le hip thrust, feet on box. Donc, le mouvement consiste au sol. On va juste venir déposer nos talons sur la box. On va se rapprocher pour avoir à peu près un angle de 90 degrés. Les mains appuyées au sol. On va monter le bassin pour amener les hanches
en pleine extension. Marque de pied. Ouais. Est-ce que tu es capable de faire la démonstration? Exact, les talons. Il est vraiment engagé dans la scène. Est-ce que tu sens que ça travaille dans ta fesse? Ouais. Good. Un autre. Parfait. Hip thrust, feet on thrust. Voici le push-up feet on box. Donc, pour le push-up feet on box, on va aller déposer nos orteils sur la barre. On va garder bel alignement du dos, un dos droit. On va descendre en push-up normal. Je veux avoir un angle de 90 degrés dans les bras. Pas plus que ça, puis on va remonter. La version plus facile va être avec les mains sur la barre. Même chose, vous allez pouvoir descendre un petit peu plus que 90 degrés, ça va être moins grave. Remonter. Jordan, est-ce que tu es capable de faire ça? La version facile. Good job, bravo. Et le feet on box. Garde-moi un beau doigt, ouais, parfait. C'est bon, Jordan. C'était le push-up feet on box. Donc, une petite séquence d'entraînement très simple. Un triplet ou un triplé comporte trois mouvements différents dans lesquels on va enchaîner avec différentes répétitions. Les répétitions suggérées sont souvent de 10 à 1, donc 10 du premier mouvement, 10 du second et 10 du troisième mouvement, 9, 9, 9, 8, 8, 8, ça jusqu'à 1. Les mouvements suggérés sont burpees, box jump and over. Donc, je fais mon burpees complet avec le push-up. Je me sens la main quand je prends les hanches pour sauter dans le box. Pour la portion burpees, crunch. Les pieds sur la box. Le dos bien appuyé au sol pour partir mon mouvement. Je vais faire une élévation des omoplates pour bien engager la portion abdominale. Ensuite, on termine avec les bike push-up pour aller solliciter vraiment plus la portion des épaules. On n'oublie pas pour le bike push-up, afin que ce soit bien réussi, on va aller chercher une inclinaison maximale. Mouvement pleine amplitude, pleine extension et le succès pour une forme pour l'été extérieur. Salut gang! Voici le prochain workout qu'on va vous montrer. Donc, ça va être un imam, 12 minutes. Il va avoir un 45 secondes d'effort et un 15 secondes de break pour nous laisser le temps de changer de mouvement. Donc, le premier mouvement, c'était le Russian Step-Up Alternate. On va monter ça. Donc, on va travailler pendant 45 secondes. On va avoir 15 secondes de pause pour aller faire le dips en box. On va travailler un autre 45 secondes de dip. On va avoir un petit 15 secondes de break pour aller faire les hip thrust. Et puis, notre dernier mouvement va être le push-up feet on box. Donc, pour récapituler, imam, 1 minute totale par mouvement, on le travaille 45 secondes, l'autre 15 secondes est en pause. Ça vous va? Juste avant de finir, nous aimerions remercier le Shack CrossFit BCFG pour nous avoir aidé à faire ce guide pour la boîte. Nous souhaitons faire un petit rappel que cette boîte a pour but d'encourager le sport à travers les écoles de la maison. En espérant que cette boîte fasse bouger aussi. Bon entraînement. Jordan, tu peux faire ça?
Bonjour, ici Xavier de l'équipe. Oups, on recommence.